Oublie de la pellicule érable. Hey, salut tout le monde, comment ça va? J'espère que ça va bien aujourd'hui. Bon mercredi. Ça fait longtemps que je vous ai pas fait un petit direct. Alors aujourd'hui, ça faisait tellement longtemps que je dois vous dire, j'étais embêtée, j'étais comme lequel, de quoi je vais parler? Puis j'ai le goût de tout vous parler en même temps. Alors on a plusieurs thèmes, je vais vous parler de plusieurs produits aujourd'hui. Puis je vais vous parler de des trucs de peinture pour l'Halloween. Alors c'est ça en gros que je vais faire. Et j'ai été aussi magasiner chez Dessert. My God! Faut pas que je rentre là, j'ai des coups de foudre à chaque fois! C'est ça, hein, quand on aime créer. Alors avant qu'on commence, je vais juste m'assurer de partager avec tout le monde pour être sûr que tout le monde va recevoir. Alors je vais juste envoyer ça. Et si vous aimez le sujet du jour, Halloween, Halloween, des petits trucs pour décorer un peu votre porte ou votre maison, n'importe où, peu importe. En fait, ce que je veux faire aujourd'hui, c'est stimuler votre créativité puis vous donner des idées et des trucs. Et j'ai fait des tests et je vais vous donner le résultat de mes tests aussi à propos des peintures un peu glow in the dark, peinture UV, qu'est-ce qui paraît le plus dans le noir. Alors, c'est de ça que je veux vous parler aujourd'hui. Là, je regarde de côté parce que je regarde mes produits. Je veux juste être sûr de ne pas rien oublier. Alors, je vais partager le direct. Je vous demande de le partager, vous autres aussi, s'il vous plaît. Attends un petit peu. Partager dans le groupe. Merveilleux. Et voilà, c'est fait. Partager. On est en direct. J'aime ça le partager tout de suite pendant qu'on est en direct. Sinon, c'est poche. Puis, c'est poche quand les gens le reçoivent, mais tu sais, ben après. Puis, quand ils sont là en direct, c'est le fun de l'avoir avant. Hein? Pourquoi pas? Alors, si vous êtes contente du thème, laissez-moi savoir avec un petit like. Hein? Un petit like ou un petit commentaire comme quoi que le sujet du jour vous plaît. En fait, pour ceux qui ne me connaissent pas, ceux qui sont nouveaux parmi nous, mon nom c'est Céline Roger, artiste peintre. Et vous aimez le sujet? Super! Cool! Je vois les thumbs up! C'est super! Moi, ça m'aide énormément de savoir vos sujets que vous voulez. Et si vous avez des suggestions, écrivez-moi-le tout de suite ici dans le direct. Je vais pouvoir regarder et vous parler de ça la prochaine fois. Pas que je manque d'idées, mais ça m'aide à prioriser mes idées. Ça m'aide à replacer mes petites idées en place. Alors, aujourd'hui, ce qu'on va faire, je vais vous transférer ça. Bonjour Lila, bonjour Julie, Claudette, allô tout le monde. Alors, je vais vous partager et on va transférer la table tout de suite. Hein. On n'y sera pas avec ça aujourd'hui. J'ai beaucoup de choses que je veux vous parler. Et puis, je vous parle de mon coup de cœur aussi que j'ai eu, que vous allez pouvoir, je vais vous montrer en fait. Je ne vais pas juste vous en parler, je vais vous le montrer. Aujourd'hui, j'ai beaucoup de visuels à vous montrer. Et j'ai mes découvertes de la semaine que j'ai faites. Je dis de la semaine, c'est la semaine passée, mais depuis ce temps-là, j'arrête pas, je trippe et j'ai plein d'idées, plein de projets en ligne que je veux pouvoir vous montrer. Oui, c'est des décos. Écoute, moi, j'ai été dans la simplicité pour vous donner des idées puis vous expliquer un peu comment créer des choses. Je vous le transfère tout de suite. On va vous montrer ça, la vue en plongée. Il y a plusieurs produits que vous avez déjà vus, déjà entendu parler. Si c'est la première fois que vous m'entendrez parler, écrivez-moi-le. Comme ça, je vais pouvoir, des fois, vous donner un petit peu plus de détails. Parce que, tu sais, des fois, je ne pourrais pas rembarquer dans tout le détail au complet. Mais au moins, si vous me le dites, hey Céline, ou que vous avez des questions, posez-moi-les tout simplement. Allô Doris, bonjour René. Alors, on va commencer aujourd'hui. Je vous ai montré rapidement. Je vous montre mes produits. Là, je vais mettre mon gant. Je me suis.
Je me suis coupée la main, c'est pas très joli. Visuellement. Je suis coupée rien qu'un petit peu, mais puis je m'en suis même pas rendu compte. Fait que je mets mon gant pour vos petits vos yeux, vous épargner un peu tout ça. Bref, ce que je veux vous parler aujourd'hui, je vous parle de Glow in the Dark. Hein? Glow in the Dark, là, pour vous dire en bon français, les couleurs phosphorescentes. Il y a plusieurs compagnies et il y a les couleurs UV Black Light. C'est deux choses différentes. Hein? Il y en a une qui va se voir beaucoup mieux, c'est écrit brille dans le noir, ça va se voir beaucoup mieux, mais avec une black light. Alors, des lumières qu'on peut trouver un peu partout. Et les couleurs phosphorescentes, ben, il faut tout simplement l'exposer à la lumière, quand même assez proche. Je commence par celle-là. Celle-là, ça vous prend vraiment une lumière spéciale. Alors, si vous avez une petite lumière spéciale, puis vous aimez ça, les black lights, vous avez un événement, vous voulez faire un party, c'est l'idéal, c'est vraiment le fun. Elle est liquide, cette peinture-là, c'est la d'acryl. C'est quand même rare qu'on a de la lumière et c'est la lumière UV. UV, lumière noire, chez Dessert, que vous pouvez la retrouver. Je l'ai testée et je vais vous montrer. C'est liquide, hein? C'est très liquide. Alors, la peinture de PBO, la phosphorescente, c'est celle qui ne demande pas de lumière. Pas de lumière particulière. En fait, ce que vous avez besoin, par exemple, quand vous l'utilisez, ce qui est important à savoir, c'est de l'utiliser vraiment et de l'exposer à la lumière. Comme ça, quand vous allez éteindre les lumières, vous allez le voir. Mais, il faut en mettre épais. Si vous n'en mettez pas épais, ça paraît pas trop. Alors, il faut y aller vraiment généreusement. Là, aujourd'hui, j'utilise la jaune. Il y a de la verte, il y a de la bleue, il y en a de toutes les couleurs. À vous de choisir. C'est vraiment un choix personnel. C'est sûr et certain, si vous la mélangez avec une peinture régulière, il n'y a plus grand-chose qui va paraître phosphorescent parce que vous allez un peu l'opacifier automatiquement. Alors, j'ai fait les tests et, bon, c'était beau, mais ça ne paraissait pas énormément si je mélangeais ça avec d'autres couleurs. Je vous dis ça pourquoi? Parce que j'ai été intriguée, je l'ai testé avec la couleur jaune fluo. En fait, je l'ai testé avec toutes les couleurs fluo. Je vais juste vous montrer le résultat. J'ai testé avec des couleurs fluo ici au début, vous pouvez voir là. Mais tu sais, vous pouvez voir, mais vous ne voyez pas vraiment. Tu sais, c'est des couleurs. Ça donne des couleurs très lumineuses avec la couleur fluo. J'ai pris un pochoir tout simplement. Ça fait super beau, très lumineux. Mais phosphorescent, pas trop. Tu sais, je l'ai testé hier là, puis ouf, on voyait. Oui, je voyais un peu. C'était un petit peu plus lumineux, mais c'était pas le phosphorescent qu'on s'attend. Mais quand même, ça peut vous aider, mais ça rend le tout un peu plus opaque parce que quand même, la peinture fluorescente, elle est semi-opaque. Bien, du moins celle que j'ai utilisée de Liquitex. Mais utiliser tout seul les couleurs que j'ai essayées dans la gouache acrylique, ils sont juste magnifiques, là, c'est incroyable. Checkez ça, les couleurs qu'il y a là dans le fluo. Je vous les ai mis en montagne. Mais regardez ça, les couleurs sont magnifiques. Pour travailler, je trouve, pour des couleurs d'Halloween, c'est vraiment le fun. Des couleurs d'Halloween ou même des couleurs... Tu sais, les enfants, ils aiment les couleurs vibrantes. Fait que c'est pour ça que j'ai décidé d'utiliser ces couleurs-là quand j'ai fait mes tests. Parce qu'on aime les couleurs qui sont vibrantes, hein, à l'Halloween. On veut de la clarté. C'est l'automne. Fait que pourquoi pas, on va pouvoir tester tout ça. Alors, ça, c'est un de mes premiers tests que j'ai fait. Ensuite de ça, je vais vous montrer... Ah, je vous montre un peu des résultats et après ça, je vous montre comment faire. Je vais vous faire choisir. Alors, j'ai essayé les fameux effets néons. Regardez, j'ai pas... Puis, je vais vous dire, j'ai vu toutes sortes de techniques. J'en ai testé des nouvelles que j'ai essayées pour l'Halloween. Alors, c'est un petit effet néon. Je ne sais pas si j'éteins mes lumières. Là, mon studio, il y a bien des lumières d'allumer. Je ne sais pas si vous le voyez un peu, l'effet néon. Il y a des trucs quand on veut essayer des effets néons, mais je me suis amusée. Regardez l'effet que j'ai fait. Il fait un peu moins néon, mais sincèrement, j'ai bien aimé celui-là, le résultat que ça donne. Et je vais vous montrer. Là, vous me voyez avec mes petits cartons. Vous pouvez faire ça sur une toile que vous allez mettre un gesso noir. Pourquoi un gesso noir que je vous recommande? Parce qu'un gesso noir, ça coûte pas mal moins cher de peinture que de la peinture noire. Si vous avez de la peinture noire à l'acrylique, allez-y. Mais si vous avez un grand format, le gesso noir va faire l'affaire. Sinon, moi, je me suis acheté ces petits foam cards-là. En français, comment est-ce qu'on appelle ça? Foam card, hein? tout simplement. Foam board, foam... Ouais, c'est ça. Même en français, c'est ça qui est écrit. Alors, c'est un format que j'ai 8 par 10, noir sur noir, tout simplement. C'est un petit foam. J'adore ça. C'est parfait. Et j'ai pu travailler. Ça absorbe pas trop les peintures acryliques. Alors, pour faire des petits projets,
Quelque chose de léger, c'est parfait. Si je veux l'accrocher sur la porte à l'extérieur, je vais pouvoir. Et je vais pouvoir. Là, j'ai fait des bouts pour que ça soit quand même rapide. Pour vous montrer un peu le principe, mais vous pouvez faire des citrouilles, des chauves-souris, des squelettes. T'sais, vous pouvez monter ce que vous voulez là-dessus pour votre Halloween. Fait que je vais vous montrer le truc et je vais vous expliquer la différence et qu'est-ce qui fait un peu l'effet néon. Parce que vous voyez, hein, ici, ça a l'air un peu plus néon, puis il y a une raison. Alors, je vous explique tout ça. Alors, je vous en parle des deux. Par lequel je commence? Alors, je commence par celui-là par vous expliquer. Et j'ai fait aussi dans mon carnet de croquis qui est noir, sur du papier noir, je l'ai testé aussi. J'ai testé le glow in the dark sur la feuille. Et j'ai commencé un effet néon aussi, mais qui n'est pas complété, vous allez pouvoir voir un peu la finale, comment je la fais avec celui-là. Fait que comme vous pouvez voir, j'ai beaucoup de choses à vous dire. Puis je ne vous ai même pas parlé de mon coup de cœur, imaginez. Êtes-vous prêts? Alors, celui-là, comment j'ai procédé? C'est tout simple. Je vais vous le montrer sur un carton vierge. Alors, dans un premier temps, j'ai pris mes crayons Liquitex. C'est de la peinture acrylique. Il y a plusieurs compagnies qui en font, hein, des crayons comme ça. J'utilise du blanc carrément. Pour avoir fait tous les tests, puis allumer les lumières, tester avec le glow in the dark. La lumière UV, j'avais pas ma lumière avec moi. Je n'avais pas été chercher d'ampoule, mais juste à éteindre les lumières, je vous le dis, le blanc, c'est ce qui paraissait le plus dans le noir. Le blanc, et quand j'utilisais la peinture PBO, voyons où c'est que je l'ai mis. Ah, la peinture PBO, mais quand il y en a bien épais. Quand il y en a bien épais, puis qu'on s'est assuré de le mettre vraiment au-dessus de la lumière, ça fait vraiment l'effet. Ça, c'est vraiment le fun. Si vous avez des enfants qui ont besoin d'une petite veilleuse le soir, là, vous y faites un tableau avec, puis vous mettez assez épais de ça, il va fixer la peinture que vous allez faire. Puis, tu sais, vous pouvez faire juste les petites étoiles comme j'ai faites là. Vous y faites une petite toile avec des étoiles dessus, avec des pochoirs, ou même vous les faites vous-même, avec la peinture phosphorescente, puis tranquillement, ça va s'éteindre doucement. Fait que l'enfant va se calmer, puis il va pouvoir regarder ça, et ça lui fait une petite veilleuse. Ça attire son attention, et puis c'est vraiment le fun. Vraiment le fun. Les enfants, je peux vous le dire, là, ils capotent là-dessus. Les enfants, puis les grands, je pense même. On aime ça, voir ça. Bon, alors, ce que je voulais vous montrer, le bout. Comment j'ai procédé? Dans un premier temps, je prends mon crayon Liquitex. C'est de la peinture acrylique blanche. J'aurais pu prendre de la peinture comme ça. J'aurais pu prendre de la peinture acrylique que vous avez à la maison. À la limite, vous pourriez prendre de la peinture à l'huile, mais pourquoi je choisis celui-là? C'est à cause de la largeur du crayon. T'sais, regardez la grosseur, c'est le plus gros, hein, parce qu'ils en vendent en deux formats. Moi, j'utilise, pour mon bout, j'ai utilisé principalement le gros. Fait que je vous donne un exemple, puis j'aime ça. Comment qu'on l'utilise, celui-là? Vous avez vu, j'ai brassé la peinture comme il faut. Et ensuite de ça, quand vous prenez du papier palette, vous allez appuyer. Regardez de côté, je vais appuyer pour rentrer la mine. Et en le rentrant, ça fait descendre la peinture jusque sur le rebord. Et regardez, c'est plein de peinture blanche. Alors, ce que ça fait, après ça, tout ce que j'ai à faire, c'est juste de tracer. Et ce qui est le fun, si vous prenez votre temps, regardez, je me fais une belle ligne nette, c'est clair, on sait où est-ce qu'on s'en va. Alors, là, pour faire l'effet néon, comme pour celui-là, le truc, si on veut donner l'illusion que c'est des néons, ben des vrais néons, ça se touche pas, les lignes. Fait que c'est souvent une ligne à la fois. Alors, il faut décoller les lettres. Alors, il faut pas que ça se touche comme ça. OK? Si tout se touche, vous n'aurez pas votre effet néon. Si vous voulez avoir, et puis idéalement, allez-y pour avoir la même largeur. Fait que vous pouvez tourner votre crayon ou vous tournez votre feuille. C'est super important. Et vous allez avoir de besoin, dans un premier temps, de faire deux couches pour aller chercher l'opacité. OK? Alors ça, c'est la première des choses à faire. Oh, hein? Je vais faire un petit bout, tiens. On va être... J'y étais fort sur mon B. Je pourrais m'amuser puis créer autre chose avec ça, il n'y a pas de problème. Là, de toute façon, c'est juste pour vous montrer un peu le principe. Alors, pour faire l'effet néon, il faut vraiment séparer les lignes pour donner cet effet-là. On laisse sécher, on va mettre une deuxième couche. Ensuite de ça, il faut préparer l'effet néon. Alors, c'est pour ça que vous avez vu mes Inktense. Je prends ce que j'ai, tu sais, si vous avez des crayons de bois, prenez vos crayons de bois.
Et là, qu'est-ce que je vais utiliser tantôt? On va utiliser, tiens, l'œil orange. L'orange, donc, ce que je vais faire, j'utilise mon orange. Et là, autour, là, c'est pas tout à fait sec, mais autour de votre lettrage, vous allez estomper de la couleur pour faire un genre de réflexion de la couleur. Et vous allez avoir de besoin de quelque chose pour estomper. Ce qui va bien, c'est les fameux petits, les petits cartons qu'on a tout le temps dans nos coffres de dessin. Alors, vous allez pouvoir l'estomper. Pourquoi estomper? C'est que je ne veux pas voir de coups de crayon. Idéalement, ça va super bien quand le pinceau, pas le pinceau, mais le crayon, il est un peu usé, tu sais, qui est rond. Aiguisez-les pas trop, parce que s'il est trop pointu, à ce moment-là, ça va faire un peu plus précis, puis on veut pas quelque chose de précis, on veut quelque chose qui donne une illusion de flou. Alors, je commence déjà à faire la première lettre. Vous voyez bien, hein? Parfait. Alors, et proche, plus je me rapproche de mon blanc, bien, plus je vais appuyer fort. Puis j'aime ça en mettre un peu plus, tu sais, je gênez-vous pas là, pour en mettre quand même assez large. Alors, je vais vous faire une lettre pour vous montrer l'illusion. Parce que j'ai tellement d'affaires à vous montrer que si je fais tout le bout, là, on n'aura pas le temps d'en faire, de faire plusieurs techniques. Puis aujourd'hui, bien, je vais vous en montrer plusieurs. Vous allez avoir le choix après, vous allez pouvoir faire ce que vous voulez. T'sais, puis selon aussi ce que vous avez comme médium à la maison, t'sais, là, je le fais avec l'acrylique, vous pouvez faire ça avec de la gouache, vous pouvez faire ça avec la peinture à l'huile. Mais la peinture à l'huile, c'est sûr, ce ne sera pas l'idéal parce que ça ne séchera pas, t'sais, ça va être long, là, mais t'sais, si c'est juste ça que vous avez, à la limite, vous pouvez prendre ça. Mais je pense que la peinture acrylique, c'est vraiment l'idéal. T'sais, on est quoi aujourd'hui? Mercredi, l'Halloween, c'est dimanche. Ben, vous avez quelques jours déjà pour soit vous procurer votre matériel pour en fin de semaine, ou déjà pour que ça sèche si vous êtes à l'huile. Mais idéalement, moi, j'irai avec l'acrylique. Parce qu'il y a beaucoup de superpositions de produits, puis de couches. Tu sais, il y a plusieurs couches à faire. Fait que c'est sûr et certain que, idéalement, si vous êtes capable que ça sèche vite, ben c'est l'idéal. Alors, on essaie de le faire le plus large possible. Je vous montre. C'est ça qui va donner un effet flou. Et là, avec l'estompage, je vais aller estomper la ligne qui est trop nette. OK? Là, c'est sûr, je suis sur du carton. C'est pas tout à fait pareil que si j'étais sur une toile. Sur une toile, ça s'étirerait un petit peu plus, mais quand même, je vais estomper les coups de crayon. Je vais estomper. Vous allez voir, il y a un peu de couleur sur le bout de votre estompeur. Et je vais étirer un peu pour pas que ça soit trop net. Fait que ça va faire un genre de petit rayon. Je sais pas si on le voit à l'écran. Voyez-vous, la ligne est un peu moins nette, mais étirez-la le plus possible. Fait que j'étire, mais là, moi, j'y étais quand même en rond, hein. Puis mon crayon, il était pas trop pointu. Et je fais pas juste des lignes. Souvent, je vais tourner en rond quand je vais dessiner. Oh, je vois que c'est flou, là. Alors, souvent, quand je vais tourner comme ça, mon coup de crayon, et non pas faire des lignes de même. Fait que déjà, c'est pour ça que ça m'aide. J'ai pas besoin d'estomper énormément. Alors, on estompe ici pour que ça soit le plus flou possible, pour pas que ça soit une ligne nette. Je vous épargne cette étape-là, vous avez compris un peu le principe. Ce que j'ai fait pour celui-là, je vais vous montrer les deux techniques, OK? Parce que j'avais, hier soir, je ne trouvais pas mes crayons. J'ai fait, bon, je vais y aller avec de la peinture. Alors, j'ai réussi à faire ce flou-là, mais avec de la peinture. Je vous montre ce flou-là avec la peinture, comment je l'ai fait. Fait que vous allez pouvoir choisir selon le type que vous avez préféré d'effet. Puis, après ça, je vous reviens à celui-là. On passe d'un à l'autre, mais on n'a pas le choix un petit peu. Alors, ce que j'ai fait pour ma peinture, pour la rendre floue, comme ça, tout le tour, je vous explique. J'ai pris un médium, un additif fluidifiant, OK, pour rendre la peinture un peu plus fluide, OK, parce que j'utilisais ma gouache acrylique. Alors, ce que j'ai fait, j'ai pris ma gouache acrylique, j'ai fait le mix. Alors, pour faire le mix de ça, ça vous prend une portion de 20% par rapport à votre volume d'eau. Donc, j'ai commencé par me faire un 20% et de ce produit-là dans 80% d'eau. Alors, je me suis fait mon mix de mon produit. Quand mon produit était prêt, ce que j'ai fait, j'ai pris une petite bouteille et là, j'ai mis 25% de ça dans ma bouteille, et la balance, c'était de la peinture acrylique. Alors, c'est pour ça que vous voyez les quantités. Je me suis fait une demi-portion.
Alors, je me suis mis le bas avec ça. Si vous vous, vous souvenez pas des quantités à faire, c'est écrit en arrière, le mode d'emploi, vous l'avez de ce produit-là. Alors, c'est un produit qui va rendre votre peinture liquide. Si vous avez de la peinture liquide, mettons comme par exemple la Golden, ben vous allez être correct, votre peinture Golden va être suffisamment liquide pour pouvoir faire cet effet de flou-là que j'ai fait. Alors, là, c'est si vous n'avez pas de peinture liquide, vous avez juste à prendre ce produit-là si vous l'avez. Sinon, ben, vous pouvez aussi vous acheter une peinture très liquide. Alors, j'ai pris un peu de peinture liquide. Ensuite de ça, j'ai pris un pinceau rond. Alors, un petit pinceau rond en poil de porc. Je vais juste aller m'en chercher un. Ouais, j'en ai un ici. Il est gros, mais quand même. Alors, j'ai pris un pinceau rond en poil de porc. Poil de porc, il est un peu plus rugueux, mais il va me permettre de faire des beaux effets. Et là, j'ai juste tapoté comme ça pour aller chercher un peu de peinture. J'enlève l'excédent. Et là, sur ma lettre, je vais aller ici, j'ai tapoté tout le tour, comme ça. Pour avoir quelque chose de flou, de pas trop égal. Alors, vous voyez, et j'y étais tout le tour. Je me trouve à embarquer un peu par-dessus mon blanc, c'est pas grave, c'est une première couche, je vais pouvoir embarquer ma deuxième couche bientôt. De temps en temps, on va rechercher un peu de peinture. On essaie de faire ça le plus, pas symétrique, mais le plus stable possible dans la quantité de couleur de peinture. Parce qu'un néon, on s'entend, c'est assez stable hein, au niveau de la couleur. Là. Il éclaire ou il éclaire pas. C'est rare, ça va éclairer à moitié d'un bout. Là. Ben, du moins, j'ai jamais remarqué, mais j'ai pas cette impression-là. J'ai l'impression qu'ils sont tout le temps pas mal stables. Alors, voyez-vous, là, déjà, on a un effet un petit peu plus flou, qui peut donner un effet électrique un peu là, des néons. Alors, vous avez les deux méthodes. Un au crayon, que c'est plus doux. Celui-là, il paraît un peu plus. Pourquoi? Parce que j'utilise la peinture fluo. Alors, c'est la peinture orange fluo que j'ai utilisée, que j'ai rendue liquide. Ces petites bouteilles-là, vous retrouvez ça dans toutes les boutiques d'art aussi. Là. Alors, dans ma petite bouteille, j'ai utilisé mon médium fluidifiant. Sinon, vous utilisez tout simplement de la peinture liquide. Un peu comme la Golden Fluid, High Flow, ou la Golden... voyons. Ouais, c'est ça. High Flow ou la peinture fluide de Golden sont vraiment assez fluides pour aller faire ça. Donc, là, la prochaine étape, c'est de me refaire une deuxième couche de mon blanc pour le rendre vraiment opaque parce que là, ça l'a absorbé. Je cherche mon gros pinceau blanc, mon gros crayon blanc. J'ai tellement de stock, je pourrais l'avoir dans la face, je le trouve pas. Voyons, il a pas roulé. Où est-ce qu'il est? Mon crayon! Voyons, j'ai mon petit... Mon petit est là. Non, y a-tu roulé à la terre, non? Mais ben voyons donc où ce qu'il est. Hey, je l'avais il y a 2 secondes. T'en as un peu, là? Il est pas... Oh, je l'ai mis debout. Hey, tu sais, quand tu cherches quelque chose qui est à terre? Alors, la deuxième couche, on va mettre une deuxième couche de peinture blanche. Alors là, j'y vais avec le côté pour vraiment faire ressortir comme il faut ma couleur, une deuxième couche que j'ai de besoin. Ici, j'y vais vraiment une deuxième couche. Et regardez déjà, là, juste la deuxième couche, ça paraît beaucoup plus opaque et ça commence à être beaucoup plus lumineux. Alors, j'en mets au minimum une deuxième couche. Vous pourriez arriver avec une troisième couche si vous voulez. À vous de voir ce que vous préférez. Voyez-vous? Le fait de mettre une couche blanche en dessous va faire ressortir vos couleurs beaucoup plus lumineuses. Si vous essayez de faire le même effet et de juste mettre votre couleur, ça ne sera jamais aussi lumineux. Ça, c'est sûr et certain. Et on y va sur un fond noir parce que ça va contraster beaucoup plus. Ça va paraître énormément. Ah, ça va tellement bien, là, ce pinceau-là. Ben, c'est pas un pinceau, c'est un crayon. C'est un crayon de peinture. C'est vraiment fantastique, ces crayons-là. Je les adore. Et là, je le laisse sécher un petit peu. Et on va pouvoir ensuite faire l'autre effet, mais on le laisse sécher. Ça sèche quand même rapidement. Et là, vous avez deux options pour la prochaine étape. Vous allez pouvoir soit travailler avec un marqueur dans le même type que celui que j'ai, qui va être beaucoup plus précis, ou vous pouvez tout simplement prendre votre peinture, soit celle que vous avez rendue liquide si vous n'avez, ou carrément celle-là. Alors, moi, je vais prendre ma gouache acrylique que je vais utiliser et je vais la peindre. J'aime bien peindre, puis je trouve que ça va super bien.
Et ça va être plus opaque. C'est un peu pour ça aussi. Parce que c'est sûr et certain, qu'en la rendant plus fluide, elle devient plus transparente. Et c'est pour ça que je l'aimais bien pour faire le contour. Donc, celle-là, à cause de son opacité, c'est pour ça que je préfère l'utiliser pure. Alors, je prends celle-là avec un petit pinceau plat, mais petits pinceaux plats qui sont quand même assez minces. Je vais juste m'en prendre un. Comme celui-là, mon numéro 2 de Nobel, que j'adore. Alors, je vais ici en mettre. Et là, je vais en mettre. Là, vous allez dire, voyons, Céline, tu vas beurrer tout ce que tu as fait. Ben oui, vous allez voir. Mais ça va rendre ma couleur très lumineuse. Alors là, je vais passer sur ma ligne blanche au complet. Es-tu sèche? Oui, elle est sèche. Alors là, je vais couvrir ma ligne blanche avec ma couleur fluo. La couleur fluo, je vous disais, c'est opaque, mais oui, puis non, tu sais, c'est opaque, mais pas trop quand même, parce que c'est quand même du fluo, c'est une couleur qui est chimique, donc elle va avoir une certaine transparence. Je vais en mettre deux couches au moins pour que la couleur punch, mais regardez comment c'est lumineux déjà. Là, je vois qu'il y a un petit bout qui n'est pas tout à fait sec de mon blanc. Je vais attendre un peu. Je vais repasser déjà tout de suite une deuxième couche. En principe, je ne pourrais pas tout de suite. Ouais, c'est ça, je suis mieux d'attendre. On va attendre que ça sèche complètement parce que là, je viens de voir, j'ai un petit racoin qui n'est pas tout à fait sèche. Ouais, OK. Alors, vous comprenez le principe. Regardez déjà, c'est très lumineux. C'est dans là, vous ne voyez pas autant lumineux. Ah oui, là, on le voit bien. Je laisse sécher ça. Ça a gelé. Ah! Oh! Mon Dieu, pauvre toi. Ah. Alors, là, je le laisse comme ça. Je vais faire l'autre côté pour que vous voyez les deux effets. Celui-là, il a été fait au crayon de bois et celui-là avec notre peinture liquide. Alors, la peinture liquide, si vous n'avez pas, vous pouvez juste acheter ce que je vous disais, là, le petit additif. Sinon, prenez la peinture liquide que vous avez. Ça va être parfait. En fait, une peinture liquide est transparente idéalement. Ça va être vraiment le best. Alors, je mets une couche. Puis, attendez. Là, je vais vite parce que, tu sais, on est en direct. Je veux vous le montrer tout de suite. Mais en temps normal, attendez que toutes les étapes sèchent comme il faut. Sinon, ça va pas donner un aussi bel effet. Alors, là, je viens de voir, j'ai encore un racoin qui n'est pas sèche. C'est drôle. Même genre d'étape que tantôt. Alors, on va pouvoir le faire. Là, lui, il est sec ici, je vais pouvoir déjà y aller. Une deuxième couche. Il y a la petite twist finale à faire après, mais ça va quand même bien. Imaginez-vous là, faire un squelette fluo. Hein? Les enfants, ils tripent des fois sur les squelettes, là. C'est un peu. Puis vous allez faire tout blanc. Après ça, vous y mettez la couleur que vous voulez. Moi, il me semble le squelette, je le ferais peut-être vert fluo ou violet. Il me semble que ça serait super beau. Fait que voyez-vous, j'en ai déjà un qui est fait. On voit le flou. Et là, comment créer l'effet de vraiment de néon? C'est la petite twist finale qu'on va faire après. Ben, je dis finale, oui et non. C'est qu'on peut aller loin là, dans le détail. Mais je vais vous donner le minimum de ça. Et le reste, je vais vous le montrer aussi. Parce que vous pourriez faire un autre effet. Là, je vais rapidement. Je le laisse sécher. Faut pas que j'y touche. Et là, la petite twist de plus, je vais juste le secouer un peu. On veut que ça sèche plus vite. Jusqu'à date, ça va tout le monde? À vous des questions par rapport à ce que j'utilise. On y va rapidement. Tout. On le laisse sécher. Ah, il est pas pareil, pareil. Alors là, la prochaine étape, ce que je fais, là, j'ai pris mon marqueur le plus mince. Je vais le secouer, je vais juste faire sortir ma peinture. Merveilleux. Et là, il faudrait que je la fasse sortir un peu plus. Je vais être sûre que ça coule. Si jamais ça ne coule pas assez à votre goût, vous pouvez prendre tout simplement voyons, un applicateur. Je cherchais un applicateur à aiguille que vous pourriez aller le faire par-dessus, tout simplement. Mais celui-là, en principe, mais là, je regarde ma couleur. Ouais, elle sort. Puis là, il va falloir que je frotte un peu. Mais l'idéal après, c'est d'aller frotter avec une ligne blanche assez égale, en plein centre. Alors, vous allez laisser votre peinture fluo tout le tour. Là, elle n'est pas super opaque, mais quand même pas pire. Je vais vous la montrer. Regardez la petite nuance.
Fait que vous faites une ligne en plein centre. Là, je vous le dis, ça prend au moins deux couches à chaque étape que j'ai faite. Fait que c'est sûr et certain que la peinture, tu sais, là, n'est pas très opaque, mais vous comprenez le principe un peu. Et à la finale, vous refaites une deuxième couche assez opaque de blanc. Si vous n'avez pas ce crayon-là, puis que vous avez des petits pinceaux comme ça, ben c'est pas des pinceaux, mais c'est des applicateurs, vous pourriez arriver avec votre peinture blanche, j'en ai-tu, ouais, et juste le glisser. Votre ligne va être beaucoup plus mince à ce moment-là, par contre. Si elle est plus mince, ben il faudrait repasser deux fois, elle va être plus longue à sécher, ça va être plus épais. J'aime bien celui que j'ai utilisé tantôt, mais celui-là, regardez, ça va... Ah, ben pour tout de suite, ça va vous le donner tout de suite, vous le voyez un peu mieux là, pour la caméra. Alors, sinon, prenez votre temps, laissez sécher. Je vous suggère de ne pas utiliser le séchoir à cheveux. Si vous utilisez un séchoir à cheveux entre les étapes, ça risque de craquer votre peinture. Alors, soyez prudente. Le séchoir à cheveux, quand on accélère pour le temps de séchage pour l'acrylique, c'est jamais bon. Vous risquez d'avoir des mauvaises surprises. C'est pas recommandé. Vous allez me dire, ouais, Céline, je l'ai déjà faite, j'ai jamais eu de problème. Ben, bravo, tant mieux. Mais je vous le dis, la journée que ça va vous arriver, vous allez penser à moi, vous allez dire, ah, me l'avait dit. Alors, et ces petits applicateurs-là, là, quand vous en avez, là, oubliez pas, il faut rentrer l'aiguille dedans. Hein. Il y en a beaucoup que je vois là, qui l'utilisent et qui le font pas. C'est comme rentrer l'aiguille avec un fil, mais c'est super important. C'est ça qui fait que ça ne sèche pas. Alors, pour faire l'effet néon, c'est comme ça. Et après, vous pourriez arriver avec des couleurs juste un petit peu plus foncées quand tout va être sec et revenir sur les côtés pour aller faire une ligne un petit peu plus foncée. Alors, en fonçant un peu... Ouais, c'est trop frais fait, là. Vous allez renforcer votre effet néon. Ah, vous allez le voir un petit peu. J'y vais délicatement, là. Je ne veux pas trop l'effacer. Mais quand même... Regardez, on fait ressortir l'effet néon. Cool! Alors, vous voyez le principe avec la peinture et vous avez vu le principe avec l'autre. Pour ce qui est de celui-là, ce que j'ai fait les mêmes étapes du début, la peinture blanche et ensuite de ça deux fois. Et ensuite de ça, c'est super simple, j'ai une petite canette de peinture en spray. Là, ça, moi, c'est un échantillon que j'ai, mais vous pouvez l'avoir en grosse canette. Et là, vous pouvez tout simplement, puis c'est un genre de cadmium bien régulier, vous pouvez tout simplement juste faire un spray tout le tour comme ça. Ça va faire vraiment... Là, je suis proche. Vous le faites comme ça, vous le laissez couler. Ça fait vraiment un bel effet, je vous dis. Et vous le laissez couler juste un petit peu. Quand c'est sec, vous allez pouvoir y revenir. Soyez pas trop proche de votre matériel. Là, je suis un peu limitée à cause de la caméra. Je voulais que vous le voyez. Et ce que j'ai fait, pendant que c'est humide, de temps à autre, j'ai pris un peu de peinture qui était humide et j'ai juste été l'étirer un peu plus sur mes lettres blanches. Et plus tard, quand tout était sec, là, je suis revenue avec mon marqueur du début pour refaire ma ligne en plein centre. Comme ça. Et c'est ça qui donne ce bel effet-là. C'est trippant, hein? Fait que vous pouvez le faire avec une forme, un bonhomme, n'importe lequel. Mais avec la petite peinture en spray, c'est vraiment le fun. Ça fait différent. Puis vous pouvez avoir... c'est ça. C'est l'effet néon. C'est cool, hein? Ça fait différent. Puis ça fait Halloween. Tu sais, on va se le dire, là. Ça fait Halloween. Donc, la citrouille de tantôt que je vous ai parlé... C'est un peu le même principe, hein? J'avais fait ma peinture blanche en dessous, j'ai ajouté par-dessus de la peinture orange, la gouache acrylique, et j'ai rajouté par-dessus ma ligne blanche. S'il y en a qui viennent juste d'arriver, pourquoi j'ai fait une ligne blanche au départ avec mon marqueur? C'est pour faire ressortir encore plus ma couleur néon par-dessus. Alors, la couleur fluo. Et là, ce que je vais faire, si vous n'avez pas fait vous n'avez pas marqué avec votre crayon autour pour faire le flou du néon, ben vous avez juste à y aller un coup que c'est sec. Vous allez pouvoir facilement aller le faire. C'est juste que moi, j'aime moins ça parce que si vous en mettez épais de peinture, ça va vous laisser une petite ligne de noir tout le tour. Alors, vous pouvez y aller, mais en rondeur,
faut y aller. Je trouve que j'ai une plus grande liberté quand que je le fais avant. Alors, on peut le faire après, comme que je suis en train de le faire. L'effet néon. Et j'estompe avec... Et comme je vous disais au début, on n'oublie pas de laisser des espaces pour donner l'effet néon. Et ici, comme là, vous avez avec le petit... Fait que vous avez différents produits que vous pouvez utiliser. Ça dépend de ce que vous avez, je vous dirais, à la maison. Mais le principe est le même. Hein? On commence par le blanc, ensuite on y va avec la couleur, ensuite on rajoute le blanc, on s'assure que c'est bien opaque. Quand on a nos deux couches de fait à chaque étape, vous allez avoir le petit effet néon un peu partout. Et là, à vous de voir si vous voulez rajouter en plus du glow in the dark. Moi, cette citrouille-là, je vais continuer de la travailler. Et j'ai même mis du glow in the dark là-dessus. Vous pouvez voir un peu la reluisance. C'est celle-là que j'ai mis, mais on ne le voit pas là. Pour ça, il faut vraiment le voir le soir, tout simplement. Vous avez juste à regarder sur ma story. Je vais vous le partager de nouveau. Hier, j'ai partagé les effets du glow in the dark pendant la nuit. C'est vraiment cool. Le tube, on le voit. Hein? Dans l'atelier, on ferme l'atelier, on voit le tube apparaître automatiquement. Je ne sais pas si vous avez aimé ça. L'acrylique, Laurence, je ne sais pas si tu viens juste d'arriver. Pour l'acrylique, pour la première technique, pour faire l'effet de... Attends un peu. Pour faire cet effet-là, c'est avec de la peinture fluide, oui, effectivement, peinture liquide. Si tu n'en as pas, ce que je vous suggère, c'est de faire un petit mix avec un additif qui va liquéfier votre peinture. Alors, vous allez pouvoir vous prendre dans un petit pot, liquéfier votre peinture et l'utiliser celle-là qui va être... qui va pouvoir devenir plus liquide. Alors, ça donne ces effets-là qui donnent vraiment l'effet néon. Sinon, vous avez, pour cet effet-là, c'est vraiment la peinture en spray de Liquitex. C'est avec ça. Mais le principe de base est le même. C'est juste que vous allez avoir des résultats différents. Et sinon, la citrouille, elle, je l'ai faite carrément avec une peinture régulière, pas de peinture liquide. C'est vraiment ma peinture régulière. Puis ça fait aussi beau. C'est juste que les effets sont différents. Là, je vais aller le marquer. Je vais estomper, mais vraiment avec un crayon. Tandis que les autres, ben c'était... J'ai estompé, mais avec la peinture fluide. Et là, c'est estompé, mais avec la peinture en spray. Fait que vous avez des effets. À vous de voir quel effet vous voulez. Mais tu sais, ils font tout Halloween, là. Ça dépend juste de ce que vous voulez. Celui-là, je trouve qu'il fait effet néon, qui fait... un peu comme... Dans les films d'horreur, là, je sais pas trop. Il m'inspirait, celle-là, je l'aimais beaucoup. Celui avec la peinture liquide, je l'aime beaucoup. Qu'est-ce que je voulais vous parler? Je pense que j'ai fait le tour de ce que vous vouliez savoir. Je vais regarder s'il y a des questions. Puis après ça, je vous montre mes coups de cœur de la semaine passée que j'ai vraiment capoté. Il est quelle heure? J'ai-tu le temps? Ah oui, on a le temps. Je vais regarder vite si on a des questions par rapport à ce que je viens de faire. Juste regarder... Julie, Claudette, Suzette. Oui, ah, ben c'est ça. Elle dit je suis très déco. Cool. Doris, René, Solange, Judith, Georgette. Des questions. Non, pas trop de questions, c'est pas pire. L'acrylique liquide, j'avais répondu. Les néons. Super. Bon, merveilleux. Fait que là, on va continuer. Je vais vous montrer mes coups de cœur. Eh bien, oui, Laurence, sais-tu quoi? Regarde, c'est mon carnet créatif. Hein? J'ai commencé par là. Je me suis amusée avec ça. Là, j'ai des cartons, mais tu sais, parce que je veux pouvoir peut-être les accrocher sur la porte. Je sais pas. Je vais voir ce que je vais faire avec. Puis j'aime bien avoir les. Sincèrement, j'aime bien avoir les démonstrations. Ça, j'achète ça chez Dessert. Ça coûte une pièce ou deux. Hein. C'est pas cher. Ça a bien de l'allure comme prix. Puis ça se range bien. C'est pas pesant. Fait que tu sais, vous pourriez le coller avec de la gommette sur votre porte. Tu sais, c'est pas besoin. Vous pouvez faire ça sur une maçonnette, sur une toile, sur n'importe quoi. Hein. Dans le fond, tous les supports qui vont prendre l'acrylique. Parce que je travaille avec l'acrylique, fait que vous allez être correct. Oui, merci Nina, bon Halloween à vous autres aussi. Allez, bon, bon. Là, je vais tasser ma peinture parce que je veux vous montrer mon coup de foudre. Et là, si vous avez suivi mes carnets créatifs, les tests que j'ai faits là tantôt, vous allez pouvoir les faire dans vos carnets créatifs. Tu sais, dans le carnet créatif, vous pouvez les tester, les essayer, voir ce que vous préférez comme... tu sais, là, moi, celui-là, il est noir. Puis jamais, je l'avais pas encore utilisé, mon noir. Souvent, je prenais des feuilles de carton. Et les crayons, c'est des Inktense, si vous vous demandez. N'importe quel crayon va faire la job, là.
Hein, prenez vos prismatolars, prenez n'importe quoi. En autant qu'ils sont très pigmentés, vous allez être correct avec ça. Alors, je vais tasser mes tubes parce que là, c'est gros ce que je veux vous montrer. Ben, c'est grand un peu, mais il faut que je vous le montre. Écoutez, ça fait 2 semaines, je pense. J'ai été au quartier 1030, sur la rive sud de Montréal, chez Dessert. J'ai vu qu'à Sherbrooke, il y en avait aussi. Je ne sais pas s'il y en a partout, mais j'ai vu qu'ils les ont en ligne aussi. Fait que ce que je vais vous parler, vous allez pouvoir les commander en ligne. Il y en a dans les boutiques. Mais je vous le dis, il y en a, mais si jamais ça vous intéresse, niaisez pas trop longtemps. Vous allez pouvoir les acheter avec mes... J'ai donc bien du stock. Je tasse toutes mes affaires depuis tantôt. Il me semble qu'il y a du stock, ça n'a pas de bon sens. Alors, puis voyez-vous les petites étoiles, vous allez pouvoir faire l'effet néon pareil. Hein? Moi, je vais l'essayer. J'ai juste pas le temps de tout faire. Mais ce que je veux vous montrer, comme je vous disais, vous allez pouvoir utiliser mon code promo si vous avez besoin. C'est Roger21. Je vais vous leur partager mon code tantôt. Là, je fais juste tasser pour être sûr que c'est pas sale parce que j'ai trippé. Alors, ceux qui me suivent depuis un petit bout de temps, je vais vous montrer. Écoutez, je les garde dans mon sac, les garde des beaux et propres. Je capote dessus. Et puis là, je pense, je vais changer de gant. Ah non, il est sec. OK. Parce que je veux pas salir. C'est tellement beau. Ceux qui ont fait le carnet créatif ou ceux qui ont fait les projets avec la Jelly Plate, vous allez capoter. Je vais vous montrer les produits. Oui, je vais vous les donner puis je vais vous les inscrire aussi. Je vais, après le direct, je vais vous inscrire les produits avec les liens chez Dessert. C'est tout le temps plus facile. Hein? Moi, je sais exactement quoi chercher. Fait que je vais vous mettre les liens. Bon. Là, vous allez voir, vous allez... Ben, écoutez, je ne sais pas si vous allez triper. Ben, je l'ai montré à quelques amis et je dois vous dire qu'elles ont trippé pas à peu près. Je vous montre ça. Et là, je vous montre les produits et après, je vous explique ce que j'ai fait et certaines de mes idées. La première, ce petit carnet qui est tout mignon. J'ai choisi celui de Claude Monet. Je ne me souviens plus. Je crois qu'il y avait d'autres artistes peintres. Je suis pas mal sûre même. C'est écrit « Livret de coloriage, carte postale ». J'ai adoré l'idée. Puis là, je vous le dis, là, je suis plus en mode, bon, créatif. Je suis en mode carnet créatif. Je suis en mode, avec ce que je vous montre aujourd'hui, vous allez pouvoir vous faire des tableaux, des carnets créatifs, et vous allez pouvoir faire des cadeaux de Noël avec ça. C'est écœurant. Les cartes postales, j'ai trouvé, écoutez, c'est tellement cute. Là, je vous le montre. C'est des cartes postales avec, je sais pas si vous les voyez bien, les dessins de des œuvres de Monet que vous allez pouvoir peindre. Peu importe le médium. Puis le carton, il est épais, là. C'est un coup de cœur. Tu sais, c'est un petit coup de cœur. Moi, j'ai fait, wow! Un, pour nous autres, c'est reposant. On peut peindre ça. Tu sais, des fois, on file pas pour se casser la tête. On veut juste peindre sans dessiner nécessairement. Le dessin, il est fait. Vous avez la carte postale. Le carton est solide. Et là, moi, ce que je vous suggère de faire, c'est de soit... Ah, regardez, tu sais, celle-là, c'est un classique, on la connaît toutes, hein? La voyez-vous bien, tout le monde? Comment je pourrais dire? C'est que ça... Ah, regardez, c'est beau. J'ai trippé parce que c'est... Puis, ah, ben, vous avez même le prix, 12,99. Il y en a beaucoup, des cartes postales, 20 cartes postales. Imaginez, là, vous êtes avec vos petits-enfants, vous passez un après-midi, vous lui donnez une carte postale, vous l'initiez à l'art et à Monet et aux anciens peintres. Vous lui apprenez l'histoire de l'art, en fait. Et sinon, si vous n'avez pas encore des amoureux des arts, ben, vous pouvez tout simplement la poster à quelqu'un qui apprécie l'art. Puis des fois, ça peut être juste un petit mot que vous allez envoyer à vos petits-enfants, à une amie, à n'importe qui. Mais regardez si c'est beau. J'ai vraiment capoté là-dessus. Fait que ça, c'est ma petite découverte que j'ai vraiment trouvé le fun. Puis, ça se donne bien en cadeau aussi. Tu sais, quelqu'un qui aime l'art, ça peut être un beau petit cadeau à faire. Des fois, on a des échanges de cadeaux à faire pas trop cher, 12,99. Tu sais, des échanges de cadeaux à 12-20$, tu peux acheter quelques crayons couleur, le petit carnet, ça te fait un beau cadeau à 20$, là. En tout cas, personnellement, quelqu'un me l'aurait donné, j'avais « wow », tu sais, c'est vraiment cute, là. Alors, les cartes postales de Claude Monet. Ça, c'est dans un premier temps. Suggestion de cadeau de Noël. C'est fou, hein? La loi n'est même pas passée, mais j'ai trop trippé.
Ensuite de ça, dans le même optique que les cartes postales, j'ai découvert ça ici. C'est de Claude Monet. On s'entend, je suis sur le thème de Claude Monet. Hein? Quand je n'ai vu une affaire, j'ai vu le reste. On rouvre ça, c'est un coffret. Il y a des collants. OK, regardez, vous pouvez... Tu sais, la carte postale, vous pouvez la sceller dans une enveloppe. Mais vous pouvez juste mettre un collant de Monet sur vos enveloppes. Ça fait chic, c'est cute. Dans votre carnet, dans votre agenda, il y en a des plus gros. Si vous avez des emballages cadeaux, vous pourriez l'utiliser. Et c'est pas juste des collants, regardez. Ah, et puis, il les a toutes, là. Il y a même... Vous pouvez faire des marque-places. Puis, c'est tout pré-encollé. Fait que vous pouvez faire des marque-places. Vous pouvez l'utiliser pour, sur les cadeaux pour annoter le nom de la personne à qui vous l'offrez le cadeau. Ensuite de ça, regardez bien. Regardez ça, c'est hot. C'est tout... Vous pouvez faire votre propre papier à lettres. Parce que, regardez, ça se décolle... Regardez, ah, c'est ça, je vais vous le montrer. Regardez, c'est des bandes. Fait que vous pouvez les utiliser. Puis là, je vous dis les utiliser pour faire du papier à lettres, mais vous pouvez les utiliser dans un tableau. Puis vous allez voir ceux qui sont abonnés au carnet créatif depuis la première journée. Hier ou aujourd'hui, vous avez déjà quelque chose que vous allez pouvoir faire avec ça que je vous ai parlé. Puis dans le temps, quand je l'ai fait, moi, je vous suggérais de prendre des papiers et de les découper. Mais quand j'ai vu ça, j'ai fait « Wow! Ça fit tellement avec le projet que j'ai mis dans mon nouveau cours! » J'étais comme « Ceux qui vont l'avoir vont vraiment triper, là! » Puis c'est du Monet en plus, c'est vraiment beau. Regardez ça, c'est tellement beau, là! Il y en a, ça finit plus. Puis regardez les bandes, il y en a de toutes les couleurs. C'est une gâterie. On s'entend, là, c'est vraiment une gâterie. Mais il y en a énormément. Alors, c'est disponible aussi, comme je vous disais, là... J'imagine qu'il y en a un peu partout aussi. C'est tellement beau. Et là, ça a été mon premier coup de cœur. Regardez, je vais essayer de vous le montrer au complet. Oui, ça rentre dans la caméra. Il faut que je vous le montre à l'envers pour vous donner une idée un peu de la grandeur. Le format, c'est 12. Il y a 12 feuilles là-dedans. Le format, t'en as un peu, je l'avais décrit quelque part. 19,5 par 27,5 en pouces. 19 par 27 environ. Et il y a 12 feuilles. En fait, c'est du papier, ils appellent ça papier cadeau et créatif. Je vous le dis, quand je l'ai vu la première fois, puis regardez les dessins, les motifs, là, je vais le flipper. Question que vous voyez les dessins un peu. Regardez comment c'est beau, ce papier-là. Puis là, vous allez voir, tantôt, je vais vous montrer. Regardez les beaux papiers, c'est de Monet. Écoutez, je l'ai montré à des amis, ils m'ont dit, mais Céline, c'est bien trop beau, je vais juste faire une toile, juste le coller, puis l'encadrer. C'est tellement beau. C'est tout des tableaux de Monet. Regardez les couleurs. Je capote. Il me semble juste de regarder, je tombe plus calme. C'est vraiment, vraiment, vraiment beau. J'ai eu un gros coup de foudre pour ce papier-là. J'avais aucune idée qu'est-ce que je voulais faire avec. Puis je vous le dis, c'est pas trop cher en plus. Et ce qui est le fun, là, vous voyez, déchiré, j'ai déjà commencé à m'en servir. C'était quasiment un sacrilège de le déchirer, mais c'est à ça que ça sert. Regardez, le papier, ce qui est le fun, c'est que quand vous l'ouvrez, il est deux fois la grandeur. Donc, vous vous souvenez, hein, 19 par 27 que je vous ai dit, la grandeur, ça se double et je l'ouvre encore en deux. Donc, c'est quatre fois, mettons, 20 par 28, j'arrondis. C'est quatre fois 20 par 28. C'est un très grand format. Fait que il s'ouvre, chaque feuille s'ouvre quatre fois. Fait que vous pouvez, puis il n'y a pas de danger qu'ils arrivent toutes maganées. Ils sont vraiment, tu sais, sont scellés là, par des... Il faut déchirer un peu les pointillés pour les ouvrir, les séparer. Regardez, là, les feuilles. Fait que je peux l'ouvrir comme ça et comme ça, là. Attendez un peu, je vais vous le montrer. Je vais vous montrer en portrait, vous allez le voir un peu plus. Fantastique, je viens d'avoir un flash. Regardez ça, le papier, comment c'est grand. C'est immense, là. Il est découpé, j'ai deux coins découpés. Mais je vais vous montrer ce que j'ai fait avec ça, vous allez triper. Puis, c'est là qu'on va en venir au jelly plate. Je vous montre ça. Alors, les papiers. Premièrement, vous pouvez emballer vos cadeaux de Noël. Bien, cadeaux de fête aussi, là, peu importe ce que vous voulez emballer. Vous pouvez découper des coins, les superposer sur une toile abstraite, faire ce que vous voulez. Et dans mon carnet créatif, je vais vous montrer, je vais aller le chercher, t'en as un peu. Ah! Il est là. J'ai eu peur. T'en as un peu. Je vous montre ça. Et j'ai dans mon carnet créatif, je l'ai utilisé pour vous faire un de mes cours du carnet créatif.
Vous allez reconnaître certaines couleurs. Regardez si ça fait beau. Et là, ça, c'est dans mon carnet. C'est une feuille. Mais sincèrement, je l'ai fait, mais je vais en refaire en grand format. Je vais me faire une toile avec ça. C'est des feuilles que j'ai utilisées de ma Jelly Plate. Ceux qui ont fait les cours de Jelly Plate, vous n'avez accès à certains sur Facebook. Puis sinon, dans le membre de l'atelier, ce cours-là, membre de l'atelier, il est gratuit actuellement. Hein, pour un mois, ceux qui ne sont pas abonnés, vous pouvez vous abonner gratuitement pendant un mois. Vous avez accès au cours du Jelly Plate. Alors, vous avez, ça c'est fait avec mon Jelly Plate. Ça aussi, c'est le Jelly Plate. Ça aussi, ça aussi, ça aussi, ça aussi. Et voyez-vous, j'ai utilisé mon papier de monnaie. Je l'ai répété à deux endroits, je l'ai déchiré, j'ai superposé, je vous montrerai le cours. Ben, vous avez le cours dans le cours du carnet créatif. Et évidemment, j'ai mis de la feuille d'or de PBO là-dessus. Bref, je vous explique tout ça, mais ça vous permet de pouvoir commencer à faire des toiles avec ça. Alors, c'est-tu pas beau, Hank, un peu? Il y a différents peintres. Là, moi, j'ai acheté celui de Monet. Il y avait Van Gogh. Il y a aussi Klimt. Il y en a sur des thèmes aussi. Là, il faut que je vous montre le thème. J'espère juste que mon mari ne regarde pas présentement. Parce que, regardez, ça m'a inspiré. C'est sûr, je vais faire d'autres choses avec ça. Regardez les thèmes marins. Le thème marin. Regardez si vous aimez. Écoutez, c'est fou, là, les images, comment elles sont belles. La qualité du papier est incroyable. Regardez ça, si c'est beau! J'ai trippé, là. Regardez, c'est quasiment une toile, comme je vous disais. C'est magnifique. Moi, ça, on peut faire son propre papier à lettres, en fait, parce qu'à l'endos, c'est du papier blanc, là, beige, la même couleur que ça, mais, tu sais, avec rien. Fait que vous pouvez écrire à l'endos, le plastifier, vous pouvez faire ce que vous voulez avec ça, mais c'est de toute beauté. Regardez si c'est beau. C'est vraiment un coup de foudre que j'ai eu. Et vous les retrouvez actuellement. C'est beau, hein, Patricia? Écoutez, je sais pas, là, mais moi, j'ai vraiment capoté. Quand j'ai vu ça, ces petits kits-là, les livres sont autour de 15 $. C'est quand même très accessible. Je m'attendais à ce que ça soit plus cher que ça. Autour de 15 $. Celui-là, sincèrement, je me souviens plus. Mais tu sais, si ça, c'est 15, ça, c'est 12. On doit être un peu dans le même prix, là. Alors, mais je vais vous mettre les liens. C'est mes coups de foudre de la semaine que j'ai eu chez Dessert. Alors, je ne sais pas si vous avez aimé ça. Je vais vous donner mon code promo, c'est CROGER21. Alors, je vais vous le mettre. CROGER21, vous pouvez l'utiliser en magasin ou en ligne. Tous ces produits-là sont disponibles chez Dessert. Alors, en France, écoute, c'est Pépin, la compagnie qui fait ça. Je ne sais pas, mais Pépin Van Rogen, tu vois, Van, c'est en Allemagne, ça. Fait que d'après moi, tu vas les retrouver, là, sûrement. Sûrement. Puis, d'après moi, Dessert va pouvoir peut-être vous livrer aussi si vous... mais il faut appeler. Appelez au service à la clientèle, demandez à vous faire livrer. Puis d'après moi, ils vont pouvoir vous l'envoyer. C'est sûr, ça va vous coûter cher en frais de transport, mais si jamais vous voulez absolument les avoir, ils vont sûrement pouvoir vous les envoyer... J'espère que vous avez aimé mes découvertes de la semaine. Hein. C'est ça que je vous disais cette semaine, c'est vraiment... J'ai eu de la misère à me retenir. T'sais, je voulais le donner juste la semaine prochaine, mais je n'étais pas capable de me retenir. Oh my God, j'ai capoté. Aimez-vous ça des découvertes de même? Là, on a passé de l'Halloween à Noël. On a fait les deux thèmes aujourd'hui, c'est incroyable, mais j'avais trop hâte de vous en parler. Tu sais quand tu trouves de quoi d'autre, là? Le nom des produits, Patricia qui demandait ça tantôt, c'est ça, je vais vous faire les liens, je vais vous mettre les liens, puis... Oui, c'est beau, hein, Patricia, les papiers, là, oh, c'est vraiment beau. Puis la qualité, là, c'est des papiers, ils sont épais, là, c'est pas cheap, là, tu sais, c'est vraiment, là... Moi, je sais que quand je les ai vus, il y en avait un des mots d'ouvert, puis j'ai... Tout de suite, j'ai sauté dessus. J'ai fait, c'est bien trop beau. Nathalie a dit, je pense que c'est plutôt les Pays-Bas. Ah, peut-être, Van. Ah, écoute, là, ça se peut très bien. Pépin, faudrait regarder. Je vais juste voir, aquarelle. Amsterdam. Hey, j'ai même l'adresse. Ah, cool. Hey, je vais vous la montrer, j'ai l'adresse. Pépinpresse.com. Hey, je vous le montre pour ça. Pépin, c'est toute la même compagnie. Je vous le montre pour en Europe, là. Je vais vous le montrer. Attendez un peu. Hey, c'est-tu pas merveilleux? Vous allez avoir tout ça. Vous allez avoir accès. Regardez ici dans le coin. Faites une capture d'écran, je vous le laisse là. Alors, pour ceux qui sont en Europe, vous allez pouvoir
sûrement le, vous le procurer ou le trouver ailleurs. Sinon, ben, allez être de ça. Mais moi, je suis sûre que si vous écrivez au service à la clientèle, c'est sûr ça va vous coûter des frais de port plus dispendieux. Mais en Europe, essayez avant, voir peut-être que vous allez pouvoir avoir un lien direct. C'est à Amsterdam. Hein? On l'a direct. Vous avez les coordonnées. Mais je vais tout vous mettre ça en lien sur ce direct-là. Après la diffusion, je vais prendre le temps de vous mettre les liens du site web de Dessert avec tous ces produits-là que je vous ai parlé aujourd'hui. J'ai de l'ouvrage. J'ai un rendez-vous cet après-midi, mais je vais pouvoir vous le mettre. Je vais vous en mettre une bonne partie. Copie faite, merveilleux, Patricia! Alors, c'est des petites découvertes créatives. Hein? On ne peut pas être partout, on ne peut pas tout voir, mais quand j'en fais des belles découvertes, j'aime ça vous en parler. Alors, j'espère que vous avez aimé mon direct d'aujourd'hui. J'avais hâte de vous parler, ça faisait longtemps. Je vais essayer de vous en faire plus souvent. Là. Alors, j'étais un peu dans le jus, j'avais vos cours à finaliser que je voulais vous faire le plus tôt possible du carnet créatif. On avait des cours en direct. Hein? Ceux qui n'ont pas eu l'occasion de prendre le cours des deux granges, il y a un cours de peinture à l'huile et d'acrylique et qui sont disponibles actuellement. Les cours en direct sont finis, mais les cours ont été préenregistrés. Donc, vous pouvez vous abonner et les regarder à votre rythme. Alors, Lila a dit, j'ai déjà demandé, pas de livraison en France. Ah, pour de vrai, Lila? Ah, flûte! Ah, c'est dommage. Ah, je vais me partir une compagnie, vous envoyer ça. Ça n'a pas de bon sens. C'est donc mes poches, hein? Quand même, ça serait long, c'est pas grave. C'est parce que ça coûte cher, hein, les frais de transport, c'est ça l'affaire. Mais au moins, c'est une compagnie qui est un peu de votre côté. Vous pourrez sûrement trouver, là. C'est sûr que certains, ils doivent pas juste vendre à dessert, là. Ils doivent vendre en Europe. Et jamais je créerais qu'ils vendent pas sur leur propre continent. Ça serait le bout. Bon, ben, écoutez. Alors, je vous remercie beaucoup d'avoir été là. Profitez de mon code promo, c'est Roger21, ceux qui veulent acheter ici en personne ou en ligne chez Dessert. Et qu'est-ce que je voulais vous dire, donc? Ah oui, et tous ceux qui veulent le cours de la Jelly Plate, allez sur mon site web, CélineRogerTV.com. Vous avez encore accès parce que c'est jusqu'au 31 octobre que je vous offre gratuitement un mois pour l'abonnement aux membres de l'atelier. Alors, si vous ne l'êtes pas, ben, vous pouvez vous abonner. Et pour les autres, j'ai d'autres nouveautés qui s'en viennent très bientôt, pour ne pas dire probablement d'ici la fin de la semaine. Je suis en train de vous préparer des forfaits. Alors, pour ceux qui veulent avoir une semi-totale, mais en paiement mensuel, vous allez avoir une opportunité spéciale que je vais vous envoyer. Alors, je ne vous en dis pas plus. Je vous laisse aller dîner si vous n'avez pas le temps de dîner, tout le monde. Et puis, si vous avez aimé mon live, partagez, c'est ma meilleure façon de me remercier. Merci beaucoup tout le monde. Bonne fin de journée, bonne fin de semaine, bonne créativité, puis amusez-vous, là. Salut tout le monde!